Je dirais que dans une situation comme ça, il n'y a pas trop de stratégie. Je veux dire, c'est un... Tu essaies de te remettre un peu dans le même mindset que tu avais sur le terrain, coup par coup. Puis aujourd'hui, j'étais assez agressif. Donc, mon but, c'est de retourner à cette même formule-là. Je veux dire, en bout de ligne, c'est, tu te bats quand même contre le terrain. Puis aussi, que, si ton adversaire fait un coup spectaculaire en prolongation, tu sais, je veux dire, tu ôtes ton chapeau puis tu lui serres la main. Donc, c'était la même mentalité. J'ai frappé une super belle drive. J'étais encore chaud aussi. J'ai été capable de m'activer pendant cette heure de pause, du moins. Fait que j'étais encore mentalement et physiquement réchauffé. Une belle drive, un bon deuxième coup. J'ai presque fait le pot pour l'aigle, mais c'était assez avec un noisette. J'avais mon père sur le sac avec moi. Je ne vous cacherai pas que ça l'a grandement aidé, puisque lorsqu'il pleut, on le sait très bien, c'est très difficile de garder les grippes au sec, garder se garder au sec soi-même, garder la balle. Bref, c'est un gros challenge. Donc, j'avais l'avantage d'avoir mon père sur le sac. Ça l'a grandement aidé à aider à ma concentration. Puis, j'avais moins de choses à gérer autre que le coup de golf. Donc, lorsqu'il a eu la grosse, grosse pluie, je te dirais que c'était entre le deuxième puis le 5-6e trou. Puis après, c'était quand même bien toute la journée. Puis, le back nine, il n'y avait pas trop de pluie. Donc, en général, j'ai bien géré ça, puis c'est en grande partie grâce à mon cadet. Yeah, no, on my first 18th hole, I hit a good drive just in the right rough, and then hit it just over the green in two, and I just wanted to do the same thing in the playoff, just get it into the fairway and then get onto the green pretty easy. I didn't hit the best 7-iron in the playoff, you know, put it in the sand, but short game's always there to clean up. I was hitting it well on the front nine. I was hitting the making good contact with the ball and everything, but I was just hitting it a little off target a bit. So I just kept on hitting the same, tried to aim more in places that I felt comfortable with, and it just got tighter to the pin every time. And then putting on the front was decent, but then the back, it just lit up. It got pretty hot.